Le procès dans l'affaire, le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Tchui s'est poursuivi devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à l'AE. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Tchui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre, prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Maître David Hooper, conseiller de la défense de M. Germain Katanga, a ensuite annoncé à l'intention de la Chambre, des parties et participants, la fin d'une grande partie de la présentation des éléments de preuve de la défense de M. Germain Katanga. Tous les témoins cités à comparaître par l'équipe de la défense de Germain Katanga ont témoigné devant la Cour. Par ailleurs, Monsieur Germain Katanga témoignera à la fin de la déposition des témoins cités par la défense de Monsieur Mathieu Ngudjolo-Tchui et par la suite suivra la déposition de Monsieur Mathieu Ngudjolo-Tchui. L'équipe de la défense de Monsieur Germain Katanga a cité à comparaître 19 témoins à décharge, dont 3 témoins anonymes, dans le cadre de sa présentation des éléments de preuve. Parmi ces témoins, 3 détenus de la prison centrale de Makala à Kinshasa ont déposé sur la création et l'organisation des mouvements politico-militaires, FNI-FRPI. Plusieurs sujets ont été abordés par d'autres témoins, entre autres la démobilisation des enfants soldats en Ituri et les attaques perpétrées à Bogoro. L'audience du 19e témoin cité par la défense de M. Germain Katanga s'est déroulée au cours de la période du 4 au 15 juillet 2011. M. Jean Logo Ndengachu est une personne ressource ou enquêteur sur terrain de l'équipe de la défense de M. Germain Katanga. Il a témoigné sur ses méthodes et techniques de travail dans le cadre de la recherche des témoins potentiels de la défense de M. Germain Katanga. M. Logo a déclaré qu'il procédait d'abord à la méthode d'analyse. Il aurait usé de ses contacts pour avoir des informations sur les acteurs des conflits en Ituri. Il aurait ensuite procédé à la technique de questionnaire lors des entretiens avec les personnes qu'il rencontrait. L'interrogatoire en chef a été mené par Maître David Hooper, le conseiller principal de la défense de M. Germain Katanga. Lorsque je rencontre une personne, je prends note, je fais part à mon équipe et effectivement, la plupart de moi, presque tous les membres de mon équipe ont fait trop d'émissions, beaucoup d'émissions en Ituri, à Bunia et dans ces environs. Et lorsqu'ils arrivent, je leur fais part de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai rencontré telle personne. D'ailleurs, lorsque j'ai rencontré une personne, j'ai joué à la note que j'ai prise de cette personne avant d'envoyer cette note. J'ai joué également la photo de cette personne à la déposition, que j'ai envoyé, à la note que j'envoie à mon équipe. Alors, lorsque mon équipe arrive sur terrain, je présente là ou bien les personnes avec qui j'ai eu des entretiens précédemment et je mets les deux en contact, donc la personne concernée et mon équipe. Et à ce moment-là, mon travail se limite principalement à l'interprète. C'est-à-dire, si la personne ne connaît pas les Français, peut-être. Parce que dans mon équipe, il y a Caroline qui parle suffisamment le swahili. Si la personne ne connaît vraiment pas, en tout cas, mon rôle principal, c'est d'abord d'être d'abord interprète. De deux, si la personne connaît le français, moi, je suis là, attaqué observateur. Et à ce moment-là, c'est les membres de mon équipe qui sont venus en mission, à qui je laisse toutes les tâches de poser des questions. Bien sûr que je peux peut-être intervenir, parce qu'il y a même des mots, même en français, qui sont utilisés suivant les contextes. Alors, je peux seulement peut-être expliciter. Mais les tâches d'interroger les potentiels témoins, après ma première rencontre, en tout cas au Congo, ça c'est une mission, c'est un travail exclusivement réservé aux membres de mon équipe en mission à République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux donner comme précision. Et pour un certain nombre de témoins de la défense qui ont été appelés à comparaître, et j'y reviendrai tout à l'heure, donc pour un certain nombre
de témoins de la défense, des dépositions ont été signées. Et vous en avez été le témoin et nous voyons votre signature apparaître sur un certain nombre de dépositions. Alors, je vais vous reposer la question. Il s'agit de dépositions finales qui sont signées par les témoins. Est-ce que c'est vous qui les avez rédigées ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui les a rédigées? Monsieur le Président, je n'ai rédigé aucune déposition, aucune déclaration. Mon travail se limite à prendre contact avec les potentiels témoins, à prendre des notes d'entretien ou bien des notes d'enquête que j'envoie à mon équipe. Et c'est à mon équipe maintenant, lorsqu'il arrive sur le terrain, qui prend, qui réinterroge d'ailleurs, et dans ces jets de questionnaires, qui prend note. Moi, je reste à ce moment-là bras croisés. Et tout ce qui a été pris par mon équipe rentre avec ça. Et en tout cas, c'est comme ça que nous avons procédé. Je n'ai, donc, à résumer, je n'ai pris aucune déclaration, je n'ai pris aucune déposition. C'est vrai, j'ai signé à côté de chaque. À la fin de parfait toutes les pages aussi, bien sûr. J'ai signé parce que c'est ce qui m'a été demandé lorsque. Une déposition, une déclaration est déjà confectionnée. On me la voit par voie électronique. Pendant 3 jours, Maître David Hooper a demandé aux témoins de commenter sur des vidéos et photographies qu'il lui a présentées au cours de l'audience. Donc, que voit-on sur cette image, Monsieur Legault? Monsieur le Président, effectivement, cette image a été tournée du sommet de Mowaka. Alors que nous rations de Songolo, nous sommes passés par Délé, nous avons fait crochet à Bogor avec mon équipe de défense. Le bureau du procureur est présenté par M. Eric MacDonald, substitut du procureur, a entamé le contre-interrogatoire. M. Eric MacDonald a présenté au témoin un document dans lequel son nom apparaissait. Il lui a posé des questions sur son appartenance à un parti politique et ses relations avec les membres de la famille de M. Germain Katanga. Il a posé des questions aux témoins sur les différentes rencontres avec quelques témoins ou membres de la famille, entre autres les témoins de l'accusation, désignés par le pseudonyme 279 et 219. Monsieur Legault, P279, il est exact qu'un des objectifs que vous aviez comme membre de l'équipe de défense était de démontrer qu'il se trompait quant à sa date de naissance, n'est-ce pas? C'était un des objectifs. Et dans le cadre de vos enquêtes, vous avez trouvé ou tenté de trouver des documents qui pouvaient entacher sa crédibilité à ce sujet, n'est-ce pas? C'est vous qui parlez de fait que sa crédibilité est attachée. Ça, je vous laisse le soin de conclure comme vous voulez. Monsieur le Président, j'ai fait des enquêtes. Les enquêtes, c'est pour avoir des éléments de preuve. On ne fait pas des enquêtes pour se balader. Non, c'est pour un travail précis. Eh bien, lorsque je trouve les éléments de preuve, c'est à mon équipe d'apprécier. Moi, je ne suis pas compétent pour évaluer un élément de preuve. J'envoie ça à mon équipe. Alors, expliquez-nous ça. P-219 vous a piégé. Mais comment vous a-t-il piégé au juste? Comment a-t-il pu vous piéger? Monsieur le procureur, voyez-vous, je suis devant une personne sur laquelle je dois enquêter. Cette personne me cache d'abord les formations principales, le fait qu'il ait déjà pris au préalable des contacts avec votre bureau. Il ne me dit pas ça parce que c'est une des questions primordiales que je pose à toute personne que je rencontre. La question est claire. Est-ce que vous avez déjà parlé de la présente affaire avec d'autres personnes? 219 m'a dit non. Alors, Monsieur Legault, voyez-vous, l'accusation dit aux témoins qu'elle rencontre qu'ils doivent conserver la confidentialité pour leur propre sécurité. Alors, c'est dans ce contexte-là que M. le témoin P-219 vous a répondu.
Il gardait la confidentialité. Il ne vous a pas révélé qu'il avait déjà été rencontré par le bureau du procureur. Mais à ce moment-là, vous, vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Monsieur le procureur, là, vous pouvez, là, vous voulez peut-être répondre à la passe de P19. Il y a plusieurs manières de dire la, de garder la confidentialité, sans pour autant mentir. La manière la plus simple pour perdre sa 19 serait ceci. Non, je ne suis pas disposé à vous parler. Et ça se limite là, parce que moi, je ne peux pas ouvrir la bouche de quelqu'un avec une pince. Non, je ne suis pas disposé. Terminé, et la confidentialité est totalement. Et lorsque vous appelez quelqu'un, il vous donne à manger même, il fait un gage, et ainsi de suite. Et bien, vous, non, c'est malhonnête. Le juge président Bruno Côte a ensuite posé des questions de clarification aux témoins. Aviez-vous le sentiment que vous pouviez avancer dans ces territoires parce que vous étiez la personne ressource de M. Katanga? C'était à peu près cela la question, je crois. Les Hema et les Lendu ne vivent pas à rivalité. Je tiens à vous le dire et je vais encore le répéter la fois passée. J'ai dit, si vous partez de Bogor, vous allez jusqu'à Boga. Boga et les deux localités, Boga et Bogor, sont de localité Hema. Mais pour arriver de Bogor à Boga, monsieur le président, monsieur le procureur, vous allez traverser plus de ces 4 villages et tous ces villages sont des villages Ngiti. Et sur cette route, il y a les va-et-vient, et les Ngiti, et les Hema, et tout le monde. Donc il n'y a pas de rivalité dans ce sens-là. Ça, c'est de 1. Monsieur Germain Katanga, détenu à la haie. Quelle protection sur terre, lui, il va m'apporter. Moi, je suis sur terre dans mes enquêtes. Moi, lorsque je pars, que ce soit chez les Lendu Bindi, ou bien chez les Lendu, qu'on appelle les Lendu du Nord, non, je pars avec tout mon courage, avec détermination, parce que j'ai fait mon travail. Donc, je n'ai bénéficié d'aucune protection de la part des Germains. À prison d'ailleurs. La chambre de première instance 2 a entamé les vacances judiciaires jusqu'au 7 août 2011. La prochaine audience est prévue pour le 15 août 2011 avec le début de la présentation des éléments de preuve de la défense de M. Mathieu Ngoudjolo Tchoui.